Good morgen, allez, Iden Nefesh aujourd'hui, le Lunishmat Richard, Aaron Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, et Tamar Bat Monique Assouline. Si vous souhaitez, vous aussi d'une prochaine étude de Mishnah, quand j'étais 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhat Beitza, Perik Bet Mishnah Vav. Shlosha Advarim Rabban Gamliel Machmir, Kedre Bet Shamay, En Tomnin Et Achamin Miyom Tov Le Shabbat, Ven Zokfin Et Amenora Biyom Tov, Ven Ofin Pitin Giritsin El Arikikin. Amar Rabban Gamliel Mimen, Shel Bet Abba Lo Hayu Ofin Pitin Giritsin. אלא הרקיקין, אמרו לו, מה נעשה לבית אביך, שהם מחמירים על עצמן ומקילים על לכל ישראל, להיות אופין פיטין גריצין ואחורי. On commence à traduire directement une Mishnah, on va découvrir plusieurs conduites, que שלושה דברים, trois choses, trois points, que, sur lesquels Rabban Gamliel מחמיר כדברי בית שמאי, sur lesquels Rabban Gamliel avait l'usage d'être מחמיר en suivant l'avis de בית שמאי, de manière générale, la marloquette entre Bet Shammai ou Bet Hillel, la Lacha est retenue comme Bet Hillel, d'autant plus que Rabban Gamliel, c'est un descendant de Hillel, en plus, et il appartient donc à la... Et malgré tout, sur trois points, ils avaient l'usage de tenir la vie plus Mahmir de Bet Shammai, qui sont trois points en rapport avec le Yom Tov. En Tominin et Chamin Yom Tov le Shabbat, on ne couvrira pas le Chamin, l'eau chaude. Chamin, c'est des maïm chamim, de l'eau chaude, comment dire, j'ai pas le mot pour l'eau, c'est pas là, on n'engloutira pas, on n'enfouira pas de l'eau chaude sous une couverture du Yom Tov à Shabbat, on va expliquer de quoi on parle, bien sûr, d'abord je traduis les trois quarts. Enzokfin et menorah bi Yom Tov, on ne redressera pas une menorah à Yom Tov, une menorah, un chandelier qui s'est détaché, qui est tombé, et bien tu ne le remettras pas pendant Yom Tov. Ben ofin pitin giritsin el arikikin. On ne fera pas cuire au four des pains qui sont des pitin giritsin, des pains en grosse quantité ou des gros pains. On va tout expliquer, d'accord? Mais uniquement que des petits pains, des rikikin. Soit trois conduites, en fait, il y a trois marques de Bachamay et Bethilem sur trois points différents sur lesquels Rabban Gamliel retient l'avis de Bachamay et Mahmir, qui sont tout d'abord. Lorsqu'on fait un Hérouv, le principe du Hérouv qu'on a évoqué au début du chapitre, c'est qu'on prépare depuis, lorsqu'on a deux jours de suite, un jour de Yom Tov, puis après le jour de Shabbat. Alors pour préparer du jour de Yom Tov au jour de Shabbat, donc on a jeudi soir, on a le Yom Tov, et puis après on rentre dans Shabbat. Pour pouvoir préparer du Yom Tov au Shabbat, il faut nécessairement préparer un Hérouv, d'accord? Ce qu'on a évoqué dans la première Mishnah du chapitre. Un Hérouv, ça consiste à dire que les préparatifs de Shabbat, c'est pas que je les commence à Yom Tov, je commence depuis le Chol, depuis le jeudi après-midi déjà, le jeudi matin. J'ai déjà préparé les préparatifs du Shabbat, et parce que j'ai commencé cette préparation, là ça va me permettre, pendant vendredi, de continuer aussi les préparatifs depuis Yom Tov au Shabbat. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est comme ça, on en a évoqué quelques-unes. Le principe c'est de montrer qu'en tout cas, tu n'attends pas, c'est pas que Yom Tov il est moins important que Shabbat. Comment tu manifestes ça? Tu manifestes ça que... Sinon, tu n'as pas le droit de préparer de Yom Tov jusqu'au Shabbat, parce que Shabbat, Yom Tov, c'est aussi très marmir. Si on commence à être mekel sur ça, alors à la longue, les gens auraient complètement négligé Yom Tov. Donc, du coup, on a instauré que même faire cuire du Yom Tov pour le Shabbat, c'est interdit, si ce n'est le fait que tu as fait une petite préparation qui va te le permettre. D'accord? C'est un décret que la famille nous a fait pour permettre le Yom Tov, faire le Hérouv. Maintenant, lorsqu'on fait le Hérouv, alors vous savez bien que, on a déjà rencontré dans plusieurs endroits ce principe. Que dans la Torah, on distingue plusieurs formes de cuisson, notamment deux qui sont trois qui sont évoquées tout de suite. Il y a la cuisson au liquide, c'est une casserole dans de l'eau, avec de l'eau, avec une sauce, avec de l'huile même, c'est le même principe, beaucoup de quantité de liquide, et donc tu fais chauffer le liquide, puis après tu trempes dans le liquide quelque chose, tu fais cuire des pâtes. Comment cuisent les pâtes? Les pâtes, elles ne cuisent pas au feu. Elles ont besoin d'un intermédiaire. Ça, c'est la cuisson, ça s'appelle bichoul ou bien tigoun bechaben amok. Mais une autre cuisson qui s'appelle la cuisson au four, où c'est la source de chaleur qui frappe, qui est en contact directement avec la chose qu'on veut consommer, et qui le fait cuire directement. Donc la cuisson au four, en deux mots, quoi, qu'on fait du pain, c'est la chaleur des parois, la source de chaleur qui frappe sur le pain, qui fait cuire le pain. C'est deux formes de cuisson. Une, ça s'appelle afia, parfois tzliya, et l'autre s'appelle bichoul, ou encore tigoun, la friture avec
avec une grosse quantité d'huile. Donc on retient bichoul et afia, c'est ce qui nous intéresse. D'accord, on a deux formes de cuisson. À part ça, il y a encore une autre problématique, c'est le fait d'enfouir un aliment chaud dans des couvertures pour, de manière à ce qu'il va maintenir sa chaleur pendant longtemps. Ça s'appelle hatmana, c'est un interdit même pendant Shabbat, même pendant Yom Tov, si ce n'est que tu en as besoin pour la consommation. Alors justement, selon la loi stricte rapportée ici dans la Mishnah, selon Beth Hillel, il suffit de faire un hérouv, le principe du hérouv d'abord. Le principe du hérouv, c'est que j'ai commencé depuis le jeudi après-midi, le préparatif du Shabbat. Soit j'ai voulu pour pouvoir cuisiner pendant Yom Tov le vendredi pour le Shabbat, il faut que j'ai commencé à cuisiner depuis le jeudi. Du coup, est-ce que d'abord, entre la cuisson bichoul et afia, entre la cuisson au four et la cuisson au plat, est-ce que ça suffit de laisser une espèce, ça va me permettre les deux, une sorte, ça va me permettre les deux sortes de travaux, ou bien est-ce qu'il faut laisser un rouvre pour chaque chose? J'y vais doucement, doucement, d'accord? Donc premièrement, on a déjà une première marloquette, que selon Beth Hillel, même si tu laisses un plat cuit, tu vas faire cuire un plat avec une sauce, tu vas faire un œuf, ça va te permettre de cuire et de faire une cuisson au four, et même la tmana, comme ce qu'on va arriver dans quelques secondes. Tandis que selon Beth Shammai, il faut pour chaque type d'action que tu veux permettre de faire de Yom Tov jusqu'au Shabbat, il faut que tu fasses ce même type d'action depuis le jeudi. Donc en fait, d'après Beth Shammai, ton hérouv, il doit être composé d'un pain et d'un plat cuit, et d'un morceau de viande que tu as fait cuire dans une sauce. Mais même mieux que ça, même pour l'interdit de Hatmana, d'enfouir un aliment dans une sauce qui maintient la chaleur, tu dois le faire depuis aussi, tu dois préparer aussi une Hatmana depuis le jeudi après-midi pour pouvoir permettre que vendredi matin, tu vas faire les préparatifs du Shabbat. Donc selon Beth Shammai, il faut faire, si tu veux permettre ces trois types d'actions, Bichoul, Afia et Hatmana, il faut que tu fasses ces trois types de rouvres. Selon Beth Hillel, selon tel que c'est expliqué dans la Mishnah, même si concrètement, la halakha retient quelque chose de plus rigoureux, si tu fais faire une sorte, tu fais un bichoul ou une afia, tu repars même un pain, et tu pourras faire cuire et faire ta tmana avec tout pour du Shabbat, du Yom Tov au Shabbat. Pour la halakha, on retient qu'il faut quand même un pain et un œuf, et un plat cuit. C'est pas un bout de viande, c'est pas ce que vous voulez. D'accord? Mais en tout cas, il faut ces deux types de cuisson. Mais c'est pas la peine de faire une atmana. Ça, c'est pour le sujet de l'atmana, donc d'enfouir dans les couvertures. Deuxième sujet, c'est Enzokfin et Menorah Yom Tov. On ne redressera pas une menorah, un chandelier qui est tombé pendant Yom Tov. Un chandelier, c'est en fait un socle, et dessus sont accrochées des branches, et les branches sont tombées pendant Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit de remettre une lavanche pendant Yom Tov? Selon Beth Hillel, En Binan Vestira Bekelim, les kelim qui s'emboîtent, ça s'appelle pas qu'on construit, à la différence de ce qui est rattaché au sol. Ce qui s'emboîte, ça devient interdit. On a déjà évoqué le principe de la fenêtre, détacher une fenêtre de ségon, une porte de ségon, transgresser l'interdit de bonnet, de sauter lorsqu'on la met, même si ça coulisse, même si c'est assez libre. Quelque chose qui est fixe au sol, tu le défixes, tu le retires, ça devient, tu transgresses l'interdit de sauter. Tu le remets, tu transgresses l'interdit de bonnet. Mais quand c'est des ustensiles, d'accord, si je veux dévisser ça pendant Yom Tov, je transgresse pas, et après je le revisse par exemple, je ne transgresse pas l'interdit de bonnet. Parce que Nbinan Mustira Bekelim. J'ai pu le refermer, c'est pas grave. Mais ça, c'est son nom. Parce que selon Beth Hillel, selon Beth Shammai, Yesh Binan Ostira Bekelim, un clic qui s'est déboîté, t'as plus le droit de le remboîter. Une porte qui s'est déboîtée, t'as plus le droit de la remettre. Une porte de boîte qui s'est déboîtée, t'as plus le droit de la remettre. D'accord? Ça, c'est donc exprimé avec le candélabre que la branche allait tomber, tu vas la remettre, t'as pas le droit de le faire. Et aussi, alors là, un troisième sujet maintenant. Quand tu veux cuisiner, c'est un principe général qui va être plus développé ensuite dans notre Mishnah. Quand tu veux cuisiner du pain, faire en l'occurrence, tu veux faire cuire du pain au four, est-ce que tu dois, alors selon Beth Shammai, tu fais du pain simple qui se fait cuire facilement, mais pas du pain qui va te demander un travail monstre pour le faire cuire. En l'occurrence, alors ça peut être déjà une grosse quantité de pain, même si concrètement il faut bien comprendre. Et apparemment, il y avait une situation avec les fours de l'époque. Que pour que le pain cuise bien, plus tu remplis ton four de pain, plus la chaleur va se dispatcher, se disperser dans tout le four, de manière équitable et faire du bon pain. Si tu vas chauffer une seule source de chaleur avec en mettant un petit pain devant lui, ton petit pain il a une tendance à cuire vite, à cramer, il va prendre trop de chaleur. Alors que si tu veux qu'il ait une bonne chaleur bien diffusée, comme on a la chaleur tournante à notre époque, ouais, qu'elle soit bien diffusée pour que le pain cuise
homogènement, alors il vaut mieux pour toi que tu remplisses bien ton four. Remplir ton four, ça va te demander de faire des travaux monstres. Parce que là, te faire un petit pain de 500 grammes pour manger tout seul avec madame à table, tu vas te mettre à faire 2 kilos de pain, 3 kilos de pain, c'est beaucoup de travail à pétrir, à dresser. Ou encore, faire encore des pains qui sont spécialement gros en l'honneur de Yom Tov. Au lieu de faire ça, tchik-tchak, en une demi-heure, t'as fini l'histoire, tu passes 2 heures de préparation. C'est permis ou c'est interdit? Marque le Kedmachem et Betilel. Selon Beth Shammai, tu dois faire du pain facile. Pour ne pas te fatiguer de trop pendant Yom Tov, c'est dommage, Yom Tov, tu te consacres pour étudier, pour prier, pour te réjouir, mais pas en cuisine pour préparer un beau repas. Ça, c'est la vie de Beth Shammai. Et selon Beth Hillel, il te dit maintenant, puisque tu as une mitzvah de manger des bons repas à Yom Tov, si tu veux, tu pourras aussi, pendant Yom Tov, préparer des repas d'un pain plus compliqué. D'accord? C'est pour ça que, donc, il a dit, Beth Rabban Gimel, en ofin pitin gritzin et la rikikin. On ne fera pas cuire des pains épais, ou en grosse quantité, mais juste des petits pains, des rikikin qui sont des rikiki, comme on dit en français. Amar Rabban Gamliel, il a dit Rabban Gamliel, Mimen Shel Bataba, viens y témoigner. Moi, je suis un fils de Beth Hillel, moi. D'accord, je suis Rabban Gamliel, un descendant de Beth Hillel. Et je vous garantis que Mimen Shel Bataba, depuis toujours, dans la maison de mon père, qui a reçu aussi la transmission depuis son grand-père et tout ça, jusqu'à Hillel, le Ayofin Pitin Gritsin, et la Rikikin, on ne faisait jamais cuire des gros pains pendant Yom Tov. Je me rappelle très bien, on mangeait des tout petits pains parce que ça cuit facilement. Amroulo, ils l'ont rétorqué, les Chachamim, ils l'ont dit non. Manasseh le Betavicha, d'accord, chez ton père, on faisait comme ça, tant mieux pour eux. Zrotam et Ganalenu, mais ça ne me concerne pas. Manasseh le Betavicha, qu'est-ce qu'on va faire pour ton père, que quoi? Shayu Machmirin Alatzman, ou Mekilin, les Chol Israël. Eux-mêmes, peut-être que chez eux, à la maison, ils avaient des Chumrot, qui étaient d'usage, Kola Kavodlaem, mais en tout cas, pour tout le peuple d'Israël, ils étaient permissifs. Lihiot Ofin, Pitin Gritsin Vachori. On leur permettait de faire cuire même des pitin gritsin, des pains en grosse quantité, et même vachori, un énorme pain. On n'en avait pas parlé jusqu'avant, mais en tout cas, comme c'est rapporté le Bartanora, on fait une sac d'eau là, alors je ne sais pas ce que c'est. Il faisait un gros pain qu'il mettait directement à cuire sur les braises. Ça demande beaucoup de travail, je ne vois pas exactement à quoi ça ressemble. J'ai du mal à imaginer c'est quoi du pain qui est en contact avec les braises, quoi, il sort tout noir. C'est tellement bon, je ne sais pas. En tout cas, ils avaient comme ça l'usage, ça demande beaucoup de travail, ça demande de faire chauffer un feu bien fort pour qu'il cuise tout de suite. Et puis ben, si tu as envie de le faire pendant Yom Tov, tu as le droit de le faire selon Beth Hillel. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, c'est là.